Alors, bonjour les enfants, voici la dernière Brain Box de la semaine. Un petit peu difficile, mais vous allez voir que vous êtes capable de répondre aux questions. Ça porte normalement sur les additions, donc quand on ajoute quelque chose, quand on a trois pommes et qu'on ajoute deux pommes, on dit que l'on fait une addition. Donc si on fait 3 plus 2, ça fait 5. Ici on a deux poires et de ce côté-là on en a 4. Si on fait 2 plus 4, c'est égal à 6. C'est un peu compliqué, mais vous êtes capable de répondre aux questions que je vais vous poser. Donc regardez bien la carte et ensuite je vous interroge pour les dernières questions de BrainBox de cette semaine. Combien de pommes est-ce que tu vois sur l'image? Combien de pommes? Est-ce qu'il y a plus de pommes rouges ou est-ce qu'il y a plus de pommes vertes? Est-ce que toutes les poires ont des feuilles? Est-ce que tu as compté plus de pommes ou est-ce que tu as compté plus de poires? Est-ce que tu peux me répondre à la question suivante? Combien font 3 plus 2? Quel est le résultat si tu as 3 pommes et que tu en ajoutes 2? 3 plus 2, c'est égal à... Et voilà, on va répondre aux questions. Alors, on démarre. Combien est-ce que tu vois de pommes sur l'image? Alors, on va les compter. Il fallait compter les rouges et les vertes parce que ce sont toutes des pommes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pommes. Est-ce que tu vois plus de pommes rouges ou est-ce que tu vois plus de pommes vertes? Alors, on va compter. Il y a 1, 2, 3 pommes rouges et 1, 2 pommes vertes. Donc, il y a plus de pommes rouges. Est-ce que toutes les poires ont des feuilles? Oui, regardez bien, au bout de chaque poire, il y a bien des feuilles sur chacune. Il y en a même sur chaque pomme. On te demandait combien font 3 plus 2. 3 plus 2, c'est égal à 5. On a 3 pommes, on en ajoute 2. Au total, il y en a donc 5. Est-ce qu'il y a plus de pommes ou plus de poires? Alors, on va compter les pommes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 pommes. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poires. Donc, il y a plus de poires que de pommes. J'ai 6 poires et il y a 5 pommes. Donc, ce sont les poires qui sont les plus nombreuses. Donc, normalement, j'ai dû répondre à toutes tes questions. Et voilà, c'était la dernière Brain Box de la semaine. À très bientôt les enfants, gros bisous.